soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce matin, nous fêtons la Pentecôte, événement fondateur de l'Église. Ce jour-là, celui que Jésus avait promis à ses disciples en leur disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous », l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Avocat, l'Esprit de vérité, celui-là leur est donné. Ce miracle de la Pentecôte peut advenir aussi aujourd'hui même dans notre vie, comme dans la vie de tout disciple du Christ. Ce miracle de la Pentecôte doit advenir chaque jour dans notre vie, car c'est lui qui fait de nous les disciples du Christ et les enfants du Père. Un miracle qui rend chaque jour qui se lève incontestablement plus beau, même s'il pleut, même si on a encore mal un peu partout. Et d'ailleurs, ça ira tout de suite mieux quand on l'aura chanté le premier chant pour que le jour qui se lève soit plus beau, les trois strophes. Reconnaissons notre péché,
Seigneur, tu es puissant. Viens au-delà de nos faiblesses, de nos doutes et de nos oublis. Seigneur, tu es fidèle. Viens au-delà de nos luttes, de nos révoltes et de nos refus. Seigneur, tu es généreux. Viens au-delà de nos faims et de nos soifs, de nos élans et de nos désirs. Seigneur, tu es miséricordieux. Viens au-delà de nos échecs, de nos questions et de nos angoisses. Dans nos faiblesses, nous avons besoin de ta force. Dans nos doutes, nous avons besoin de ta sagesse. Dans nos peurs, nous avons besoin de ta confiance. Dans nos vies, nous avons besoin de ton esprit. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, prends pitié de nous, Herr erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention avec les mots qu'il a adressés à Moïse. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi mon nom. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Notre Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui qui choisit. Et son choix, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et pour sa grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur et recevons une dernière. Avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, dans le vacarme des jours, dans le tumulte qui dévore nos vies, dans le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause, le temps d'une inspiration divine. Alors que nous nous mettons à l'écoute de ta parole, apprends-nous à peser l'importance de cet instant et viens nous habiter. Viens ouvrir des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer et d'être aimé. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Tiré de l'Épître, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, un petit bout du début, un petit bout du milieu, mis ensemble, vous allez voir, c'est formidable. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Saint Charles, au chapitre 4, le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que cette œuvre s'accomplira, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Passé d'une corbeille sur le Nil au palais de Pharaon et qui, suite à un coup de sang, perdit l'esprit et alla frapper un Égyptien qui, lui, cet Égyptien, rendit l'âme. Eh bien, figurez-vous qu'après les bas de ses débuts, ses hauts à la cour et la violence de sa chute, Moïse est maintenant le leader d'une grande nation. Tu veux dire qu'il est à nouveau au sommet
de sa courte popularité. Oui, au-dessus de Mélenchon, Taubira et dit que des, voilà, des gens qui ne qui font pas de procès. Absolument. Enfin, il ne faut rien exagérer non plus. Hein. La situation n'est pas aussi rose qu'il y paraît. Comment ça, pas aussi rose? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, on l'a entendu, hein, que les gens du peuple ne sont pas contents. Et ils le font savoir à Moïse. Pas content? Alors là, c'est le combo. Moïse vient tout juste de les libérer, de les faire sortir d'Égypte, et ils ne sont pas contents. Ils viennent les libérer dans l'esclavage terrible de plus de 400 ans, et ils ne sont pas contents. C'est honnête, hein? Ouais. C'est vrai que sous l'impulsion de Dieu, Moïse a fait des miracles. Et il a notamment fait passer à pied sec, ça tout le monde le sait, depuis l'école du dimanche, sous, à pied sec, tous les Hébreux à travers la mer Rouge. Mais alors pourquoi les râles? Moïse serait-il un mauvais guide? Ah. Dieu est-il un mauvais Dieu? Alors, je ne sais pas pour les deux questions, en tout cas, pour les Hébreux, c'est sans doute un peu des deux. Mais ils râlent surtout parce qu'ils trouvent ça trop dur, cette nouvelle vie. D'après eux, la vie au désert leur convient moins que celle des esclaves en Égypte. Là-bas, au moins, de temps en temps, ils pouvaient manger de la viande. Les miracles, c'est comme la viande, on les prend vite tout. Alors c'est sûr, quand ce n'est pas le paradis, tous les jours, évidemment, vu du désert, ils ont peut-être quelques raisons de vous souhaiter. Mais le plus surprenant dans notre texte, c'est vrai, hein, le peuple aurait peut-être de quoi rouspéter, mais le plus surprenant, ben, c'est que ce n'est pas le peuple qui rouspète dans notre texte, dans la lecture, c'est Moïse qui rouspète. Ah bon? Parce que lui non plus n'est pas content. Mais qu'est-ce que c'est cette bande de râleurs d'insatisfaits? En fait, Moïse n'arrive plus à assumer la charge qui pèse sur lui. C'est vrai que ce peuple, il est lourd, hein? Alors tous ceux qui pleurnichent, avec tous ceux qui pleurnichent, pas étonnant que Moïse soit debout. Moi, ça fait longtemps que je l'aurais fourgué à quelqu'un d'autre et que je serais allé profiter d'une retraite bien méritée. Alors, pour être à bout, Moïse est effectivement à bout. Si c'est pour me faire traiter de cette manière, tue-moi plutôt, achève-moi. Voilà ce que Moïse dit à Dieu. Waouh, alors là, c'est violent. Et Dieu, il le pourquoi? Il le remet à sa place, Moïse? Ben, en fait, Dieu, il prend les choses en main, comme d'habitude. Attends. Je sais. Dieu fait pleuvoir sur le peuple une pluie de soufre et de feu. Non. Ou alors, il donne de plus grandes forces à Moïse. Comme ça, il peut lui-même les remettre à leur place, une bonne fois pour toutes. Non. Aucun des deux. Quelques jours plus tard, le camp est inondé de cailles. Apportées par le vent, tombant littéralement du ciel, et quant à Moïse, il se voit retirer un peu de son esprit, de l'esprit de Dieu qu'il avait reçu. Comment ça? Qui est-ce qui ose lui faire une chose pareille? Qui a fait ça? Ben, le seul qui peut le faire. Dieu? Eh oui, exactement. Dieu reprend un peu de son esprit qu'il avait fait reposer sur Moïse depuis des années. Alors là, c'est à n'y rien comprendre. S'il y a bien un truc utile et nécessaire pour la tâche qu'on fait à Moïse, c'est bien l'esprit de Dieu. Alors, pourquoi il le lui reprend? Est-ce que Moïse a fait quelque chose de mal? Ah.
C'est bien vrai que l'Esprit de Dieu est indispensable à Moïse pour mener à bien sa tâche. C'est pourquoi Dieu le lui a donné, c'est vrai. Comme il l'avait déjà donné, on peut dire insufflé, le souffle, dans le premier homme, Adam. Comme aussi il le donnera, après Moïse, au premier roi d'Israël, Saül, avant de le lui retirer complètement pour le faire reposer sur David, son successeur. Mais pour Moïse, rassure-toi, c'est loin d'être une punition. Bien sûr, je suis unique, mais... Je croyais que l'Esprit de Dieu n'avait été donné qu'à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'avant la Pentecôte, l'Esprit n'était donné à un degré particulier qu'à quelques élus, quelques-uns. Les prophètes, vous les connaissez, Moïse, notamment, les rois, j'en ai déjà cité deux, Saül, David, etc. Ceux qui se voyaient confier une tâche particulière dans le peuple, le plus souvent accompagnés d'une onction pour que ça se voie. Avec la Pentecôte, Dieu fait reposer son esprit en totalité sur chacun de ses enfants, puisqu'il s'agit bien là de l'esprit d'adoption, celui que Jésus élevé a envoyé pour être toujours présent auprès de nous. Ok. Mais on dirait quand même une punition. Sauf que pour Moïse, ce que tu trouves être une punition, ça va le soulager. Sa charge est trop lourde. Alors Dieu lui apprend à partager ses responsabilités, sa tâche et aussi ses soucis. Ah ça, ce n'est pas toujours facile de ne pas tout faire soi-même, même quand c'est super lourd à porter. Je ne suis pas le seul à penser que si on veut que ce soit bien fait et vite fait, souvent, il vaut mieux le faire soi-même. Mais je commence à aller sale, hein. Oui, comme ça, on sait que c'est fait et que c'est bien fait. Et vite fait. Alors en plus, Moïse continue à vouloir être le héros de l'histoire, ce qui dans sa jeunesse lui avait occasionné cette terrible mésaventure avec le soldat égyptien. Il voulait être le super-héros, il a dû fuir et se cacher pendant 40 ans. Alors du moins, c'est son état d'esprit jusqu'à ce jour-là. Quand il a emmené, au début, le peuple d'Israël dans le désert, il était encore le super-héros. Et ce jour-là, il craque. Il n'en peut plus. Lorsqu'il accepte enfin sa faiblesse, il accepte de partager aussi la force qui lui est donnée, l'Esprit de Dieu. Avec 70 sages du peuple, pas juste avec une autre personne, pour ce tout petit peu d'esprit, il faut 70 autres personnes, des sages, pas n'importe qui non plus. Et à ce moment-là, ben c'est déjà un peu la Pentecôte. C'est déjà un peu l'Église. Ça voudrait-il dire que pour être en communion les uns avec les autres, pour être l'Église, le partage des tâches est nécessaire. Parce que le partage du même esprit est indispensable pour être au service de Dieu et des autres. L'esprit de vérité est un, comme Dieu est un. Il n'y en a pas deux. Ce sont ses fruits, les fruits de l'esprit qui sont divers et variés, selon l'arbre sur lequel l'esprit se pose. Par la suite, Moïse n'était pas forcément d'accord avec 100%, ou à 100% avec ce que les 70 sages disaient, pensaient, décidaient. Comme eux-mêmes n'étaient pas forcément toujours d'accord entre eux, plus on est nombreux à réfléchir, à prendre des décisions, plus c'est difficile. Mais tous marchaient dans la même direction, celle qui leur était donnée par le même esprit qui guidait chacun d'entre eux, dans les mêmes préoccupations et avec le même but, atteindre la terre promise, atteindre les bras du Père. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous libère de ce qui nous tient liés, prisonniers de notre Égypte, pour qu'ensemble nous nous prenions en charge avec la force qu'il nous donne.
son esprit. Tout à fait, c'est ça. 20 sur 20. Un peu plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque Dieu dira à Gédéon, un successeur de Moïse, « Va avec la force que tu as. » Il ne dira rien d'autre que ceci. « Mon esprit maintenant repose sur toi, il habite en toi, il te fait vivre, il te fait frère et sœur de mes autres enfants, parce que par lui, tu as la puissance d'être mon enfant. » Dommage que cette parole ait été adressée à Gédéon et pas à Jean-Jacques. Ah. Alors Gédéon, le premier, l'a reçu. C'est vrai. Mais si tu écoutes bien... T'as l'appareil ? Oui, j'ai l'appareil. Ah, voilà. Si tu écoutes bien, si tu tends l'oreille, je suis sûr que tu l'entendras précédé d'un petit ou un grand même, Jean-Jacques. Jean-Jacques, va avec la force que tu as. Et ainsi, libéré de ce qui te tenait lié, tu peux entrer dans la famille de Dieu, être en communion avec ses autres enfants et de manière fraternelle partager tes dons au service de celui qui t'aime d'un amour infini. Amen. Ok. Hop là. Amen. Thank you.
Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un verre d'eau aux voyageurs du désert et le feu aux voyageurs de la nuit. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le grain aux terres labourées et le remède aux blessures ouvertes. Seigneur, donne-nous la prière comme on ôte les pierres sous les pas de l'aveugle et les chardes plantées au fond du cœur. Seigneur, donne-nous la prière et nous te la rendons comme on donne l'épi au temps de la moisson. Oui, Seigneur, dépose en nous chaque jour la graine de l'espérance qui nous fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en nous chaque jour la graine de l'amour qui nous fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en nous chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs et les ténèbres, qui illumine et éclaire notre vie. Seigneur, merci pour ces graines petites et fragiles, et quand survient la tempête, donne-nous de les protéger et de résister pour que toujours elles portent du fruit. Et dans la communion de ton esprit, nous faisons résonner les mots que tu nous as toi-même appris en te disant « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous pouvez crier « Abba,
c'est-à-dire Papa. Aujourd'hui même, l'Esprit Consolateur, l'Esprit de vérité, advient dans votre vie. Il vous unit à votre Père Céleste à jamais, dès aujourd'hui. Il restaure votre être tout entier, corps, âme et esprit. Il vous relève, il vous aime, il vous guérit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.